Bonjour tout le monde. Préparez-vous pour une leçon de hockey sur glace et une plongée dans la nouvelle saison de la LNH. On commence avec les bases et on termine avec les dernières mises à jour. Ici pour vous présenter le tout, notre animateur extraordinaire Kason, a.k.a. The GOAT. Bonjour tout le monde, c'est moi Kason et je vais vous introduire à la nouvelle saison de hockey. C'est un sport qui est populaire partout autour du monde, surtout au Canada et aux États-Unis. La LNH est une ligue nord-américaine qui comporte de 32 équipes et est considérée comme la meilleure ligue de hockey au monde. Comment joue-t-on? Si tu ne connais pas le hockey, c'est un sport que tu joues sur la glace et des fois dehors sur un petit lac. T'apportes tes patins et de l'équipement pour que tu te passes pas mal en jouant le sport, car ça peut être un sport très physique. De plus, quand tu joues, tu as besoin de l'équipement, tu as besoin d'un fort tombe et un rondelle. Il y a toujours 16 joueurs sur une équipe, incluant le gardien de but, et l'objectif du jeu c'est de mettre la rondelle dans le filet pour compter un but pour ton équipe. Wow. La saison 2023 et 2024. La nouvelle saison de la LNH sera sûrement très excitante et va apporter des nouveaux joueurs de hockey à la Ligue nationale. Les nouveaux joueurs de cette saison comprennent Connor Bedard chez les Blackhawks, Devin Levi chez les Sabres, Shane Wright chez les Kraken et pour terminer, Matthew Nice chez les Maple Leafs. Et ça, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous et écrasez le bouton j'aime. Bruh.